qui ça me content en pile, c'est parce que moi ouais que pays a avancé. Moi que Jérémy a avancé et nous connaît que moteur développement c'est moyen pour nous capable continuer investir dans pays a pour nous capable continuer mettre pays a sur rail sur chemin pour que nous pas Haïti pas besoin à dépendre de communauté internationale là encore. Eh bien, il faut que nous ayons propre moyen. Il faut que nous soyons capables de monter recette l'État pour que recette l'État vienne satisfaire les besoins de développement et d'investissement public pour que le pays capable continuer à développer. Et pour ça, il faut que nous continuions à investir dans la perception fiscale. Il faut continuer à investir dans le DGI avec un douane, un directeur de douane, un salut directeur de douane. Donc un directeur de douane et un directeur de DGI là, eh bien, ils représentent toutes les sept l'État gagnant pour nous faire route, faire l'hôpital, centre de santé, pour nous capables d'investir dans la population, pour nous capables de continuer à investir dans le pays, pour le pays qui est belle, pour le pays qui est bon, qui est juste. Et puis pour vous sentir que le gouvernement n'a pas péri, parce que pour le gouvernement atterri, il faut avoir des moyens pour la péri. Un gouvernement sans moyens n'a pas atterri. Donc, je vous dis, je suis content de ce que moi, belle local ça, que nous venons inaugurer là, pour seulement 15 millions de gouttes, j'ai dit que le GIA soit mentionné là. Je suis content de ce que moi, que, eh bien, les gens qui viennent payer les taxes, qui c'est au pays important, ils contribuent à bio, eh bien, il y a besoin d'un local. Digne, un local correct, un local propre, un local côté que les meilleurs sentent que vous êtes content, vous êtes fier de ce que vous avez un bel local comme ça, pour vous venir contribuer. Parce que l'homme qui veut payer taxes, il faut que vous facile pour lui. Il ne faut pas dans le rédit, dans le trop plein, dans le gourmet. Parce que ça va faire que les recettes fiscales sont décidées.